Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Jean Chrysostome du Bénin veut savoir c'est quoi le mot écuménique. Il voit souvent sur Internet des chrétiens utiliser ce mot et il veut savoir c'est quoi l'écuménisme. En fait, sachez que l'écuménisme, c'est la préparation de ce qu'on appelle la religion mondiale. Lorsque l'Antichrist arrivera, en fait, il y aura ce qu'on appelle une religion mondiale. Et très souvent, lorsqu'il y a des rassemblements interreligieux, par exemple, des musulmans qui vont se rassembler avec des catholiques, avec des protestants, avec les témoins de Jéhovah, avec des bouddhistes, certains vont qualifier ces rassemblements de rassemblements écuméniques. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont très réticents à l'égard de ces rassemblements parce que c'est le type de rassemblement qui va préparer la religion unique avec l'Antichrist. Mais parfois, ce genre de rassemblement est utile pour défendre la liberté de culte dans un pays. Donc, très souvent, ce mot est utilisé dans ce contexte. J'espère que j'ai été aidé, mon frère Jean Chrysostome. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentant la vidéo juste en bas. Donc, vous posez votre question juste en bas du player en commentaire et nous allons vous répondre à la prochaine rubrique « Dis-moi, apôtre ».